Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc nous sommes réunis avec donc plusieurs intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vous laisse encore arriver. Il y a encore du monde qui arrive, hein, donc je fais entrer tout le monde. Ce soir, Franck n'est pas là parce qu'il a son cours d'aquabike, il me semble. Ah, vous savez, c'est important. Non, et donc, blague à part, aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accompagner donc, ce talk show avec nos super invités sur le sujet de la reconversion et la légitimité aussi de se lancer dans le vin. Il y a toujours eu un jour dans notre vie où on a bu un verre de vin et c'était la révélation, quoi, le frisson, le sourire. Et puis, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais creuser. Et donc, on rencontre ce soir des gens qui ont creusé. Alors, maintenant qu'on arrive tranquillement et qu'on est près de 90 connectés, j'aimerais vous présenter donc, les intervenants du soir. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons la talentueuse vigneronne Laura Ayot, qui est installée donc, à la Tour d'Aigle dans l'Luberon, qui est à son 6e millésime. On a eu la chance de déguster ses vins récemment, d'en parler aussi dans la RVF. C'est magnifique vin, on est très heureux que tu sois avec nous Laura, donc je vais te laisser te présenter tout à l'heure. On a aussi Grégory qui est un jeune diplômé de la formation Franck Thomas. Tu as fait donc, la formation sur un an ici à Antibes avec nous, et aujourd'hui donc, tu te présenteras après plusieurs années dans l'industrie et dans le business à l'international. Tu décides de te lancer dans le vin et dans l'entrepreneuriat du vin avec une boutique en ligne. Voilà. Et pour agrémenter notre discussion, nous recevrons aussi Karine Gevel, qui est, après avoir passé des années en tant que RH pour recruter des talents à travers la France, elle est aujourd'hui coach pour accompagner les femmes entrepreneurs aussi et salariées à être bien dans leur vie professionnelle, justement avec, elle peut intervenir sur les problèmes de légitimité, d'envie, en tout cas sur, pour permettre une reconversion réussie et un épanouissement dans sa vie pro. Voilà. Je vous laisse vous présenter chacun et chacune et puis ensuite on lancera le sujet. Chers participants, je vous invite à poser vos questions dans le chat quand vous voulez réagir, parler entre vous aussi voilà, sur le chat pour qu'on puisse répondre aussi à vos questions quand on le peut. Voilà. Qui se présente? Allez, à vous l'honneur. Donc voilà, comme disait Justine, moi je suis Karine Gevel, je suis business coach et moi j'accompagne en fait essentiellement les femmes à trouver leur juste place dans le monde professionnel. Alors pourquoi j'ai choisi les femmes? Parce qu'il y a plein d'hommes et je ne vais pas vous exclure de tout ça, mais c'est que j'ai été chasseur de tête pendant de nombreuses années et j'ai vu que les hommes savaient très très bien se vendre, se présenter. En général. Sur le plan de la légitimité, ça allait bien et qu'on avait un peu plus de croyances limitantes, nous les femmes. Voilà. Du coup, je passe la parole à Greg. Allez, Greg. Bonsoir à tous. Grégory, donc j'ai été pendant longtemps, j'ai travaillé dans l'industrie, je suis de formation scientifique, j'ai travaillé sur Paris pendant plus de 20 ans. Sur les 5 dernières années, je faisais les allers-retours entre Nice et Paris. Et en fait, avec le Covid, je me suis retrouvé coincé à Nice auprès de ma famille, donc ce qui était plutôt une bonne chose. Qui a fait que je me suis posé un certain nombre de questions sur la vie que je menais et ça a mené à la décision de tout arrêter, de changer radicalement les choses, on en reparlera un petit peu après, et de partir sur une passion qui est le vin. Et donc aujourd'hui, après avoir fait pendant un an la formation de Franck à Antibes, je suis en train de lancer un site web pour vendre du vin et des éléments qui permettent de construire un repas autour des bouteilles de vin que je choisis. Voilà. Laura, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, j'ai plusieurs parcours d'études à mon actif. J'ai été en parallèle et restauratrice et graphiste pendant plusieurs années. J'ai fini par ouvrir un restaurant avec mon mari en 2010.
C'est dans l'univers de la bistronomie, on va dire. Et là, la cuisine était la cuisine faite maison. Et là, le développement de la carte des vins était à l'image de la cuisine. Et du coup, je me suis pris d'amour pour le vin. J'ai repris une formation à ce moment-là de sommellerie, orientée vers les accords mets et vins, ce qui est devenu une véritable passion à ce moment-là pour moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner avec un BTS Vitiono, voilà, en 2014, en parallèle du restaurant, qui m'a amenée à devenir vigneronne aujourd'hui. Voilà. Et quelle réussite, en tout cas, quand on goûte les vins. Mais j'imagine que Laura, toi aussi, là, c'est 6 ans après, mais tu es forcément passée par beaucoup d'étapes qu'on va pouvoir un petit peu développer ensemble. Et du coup, pour commencer et ouvrir la réflexion, d'ailleurs, je peux me mettre dans le truc aussi. Hein, on vient tous d'une reconversion à la base. Moi, je viens de Bretagne, Terre sans vin. À l'époque, un petit bled à côté de Saint-Malo, et je me disais, mince, je ne veux pas me pointer à Bordeaux comme ça, sans connaître, sans aucun réseau, je ne me sens pas légitime, et donc, par subterfuge, à la fin, on arrive à atteindre quand même nos objectifs, et voilà, c'est un petit peu ce qu'on va développer aujourd'hui, et donc du coup, tout commence par une passion, un jour où on sent qu'on est transpercé par du vin, ou par un moment de dégustation à corps mets et vins aussi, et donc, pourquoi le vin? Et pourquoi, voilà, pourquoi le vin, pourquoi cette passion sur ce vin qui nous lie tous et comment ça s'est passé pour vous, peut-être Greg et Laura, comment vous l'avez vécu, vous? Tu veux que je commence, Laura, ou tu vas toi? Vas-y, je t'en prie. Alors, le vin, ça a pendant longtemps été une passion. Il y avait trois éléments qui m'animaient. Il y a le côté cérébral du vin, donc ça, c'était le côté un peu scientifique avec le cépage, le terroir, le millésime, cette approche un peu analytique qui m'a toujours un peu amusé. Le côté émotionnel, après, bien sûr, cette notion de vibration, de convivialité, de partage, qu'on a beaucoup travaillé après dans la formation, essayer de vraiment de sentir le message du vin. Parce qu'au début, peut-être que c'était pas, tu mettais peut-être pas mot vibration, j'imagine, dedans. Non, exactement. J'étais sur des choses beaucoup plus, on va dire, carrées. Je cherchais plutôt à décortiquer les choses plutôt que les sentir. Et donc, maintenant, dans ma dégustation, c'est complètement différent. On va aller chercher le message qui est porté par le vigneron. Et c'est le troisième élément, c'est que c'est aussi un milieu dans lequel on est avec des créateurs, en fait, des artisans qui font un travail formidable, et c'est intéressant de partager ça avec eux et puis ensuite de le faire découvrir à d'autres personnes. Donc c'est ce côté très convivialité, très bienveillant au global du vin qui m'intéressait. D'ailleurs, qu'est-ce que tu bois? Alors je bois Éruption, domaine des Trouillères. C'est un gamay auvergnat, très joli, beaucoup de fruits, très agréable. Le gamay auvergnat, de toute façon, ça fait chavirer les cœurs hein, quand c'est bien fait. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais pas bu il y a un an et demi. Tu vois. Quelle ouverture d'esprit, Grégory. Ouais. Grâce à vous. Génial. Bon, et toi, Laura, alors, comment c'est venu la passion à travers la restauration, à travers comment? Alors, oui, moi, c'est vrai qu'y a beaucoup de gens qui deviennent vignerons et qui sont issus de la terre. On va dire que moi, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que je viens du monde de la dégustation. Voilà. Pour faire un parallèle, je mets souvent ça avec le cycle de la fleur qui vient de la terre et qui pousse. On va dire que moi, je viens de la fleur, quoi. Et pour revenir à la racine, si tu veux, grosso modo, quand on a ouvert ce restaurant, effectivement, j'avais une petite carte des vins qui était à la hauteur et à l'image de mes connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des vins du Luberon, puisque j'en suis native. Et puis... quand il y a une belle cuisine en face, tu te rends compte que c'est bien de l'accorder. Voilà, ça m'a intéressé de découvrir les cépages. J'ai quand même fait aussi une école hôtelière au passage où on avait des cours de dégustation. Ça m'a assez peu touchée à ce moment-là, mais bon, j'avais des notions quand même. Je me suis rendu compte que pour satisfaire les gens, c'était bien d'avoir une force de proposition adaptée. Et en fait, le vrai déclic, il a été quand j'ai fait le premier salon où j'ai dégusté en tant qu'acheteuse, on va dire. J'aime pas trop ce mot, mais en fait, c'est ce que j'étais à ce moment-là. Je me suis assise sur un stand et c'était le groupe Abisto de Nasse. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, ce sont les vins du Sud-Ouest. Ils ont eu l'intelligence de se regrouper, 7-8 vignerons, et puis tu restes assis et puis ils te font goûter 36 vins différents. Et là, il y a eu un vrai...
une vraie rencontre parce qu'ils m'ont fait goûter tellement de vins différents sur un même territoire. Ça m'a touchée. Je me suis rendu compte qu'il était important d'avoir plein de vins en proposition. Donc là, j'ai passé ma carte de 60 références à 240 au restaurant, ce qui a posé un vrai souci à mon comptable à ce moment-là, mais qui m'a, moi, permis d'évoluer. Après, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas forcément la compétence de gérer, vendre, parler de tous ces vins-là. J'en avais acheté plus que de raison. Donc, j'ai repris cette formation pour un peu apprendre à poser des mots justes et savoir les accorder, parce que ça même si on est passionné et pris de manière intuitive par les choses, tout s'apprend, mine de rien, et se canalise. Et à la fin de cette année de formation de sommellerie, d'accord, mais vin, ben en fait, j'en avais pas assez, parce que quand on est pris, passionné, on n'a jamais suffisamment d'informations ou à manger, en tout cas. Et j'ai eu envie d'arrêter de mettre des mots et de toucher la matière. Voilà comment j'ai continué. Voilà comment je suis passée au BTS, en fait, Vitiono. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait... qu'est-ce que tu bois? Là, maintenant... Alors, j'étais en train d'expliquer avant que je ne goûtais jamais mes vins et que je préférais boire ceux des autres, mais ce soir, j'ai deux verres. Ça peut paraître beaucoup, mais ce sont les miens, en fait. Deux cuvées Grenache qui sont assez représentatives du Sud. Les cuvées Grenache, c'est en blanc, ce sont deux alter ego. Donc, des binômes, en fait. En blanc, c'est libre comme l'air, c'est l'élément air. Et en rouge, tout feu, tout femme, l'élément feu. Voilà, je les mets en bouteille demain et lundi, donc je les déguste avec vous, toute seule. Avec vous. Et alors, est-ce que tu veux bien partager? J'imagine qu'on est curieux, juste un petit mot sur libre comme l'air et tout feu, tout flamme, peut-être. Comment tu les sens? Je les sens en présence. Ils sont là. Notamment Libre comme l'air. Là, ils ont des corps encore très, très libres. Ils ne sont pas encore encapsulés ni enfermés dans des bouteilles. Donc, c'est des moments où on vient d'assembler, on vient de faire des choix, on vient de les poser. C'est tout jeune encore. De manière générale, 22 reste un millésime relativement difficile pour l'ensemble des vignerons, je crois, en France, et notamment lié au dérèglement climatique que l'on subit depuis plusieurs années. Donc, ça a été difficile d'aller chercher des raisins dans des maturités avec des équilibres et des acidités en face qui pouvaient nous permettre d'avoir des vins sur la fraîcheur dans le sud de la France. Donc, je suis assez contente parce que je me suis battue avec ça. J'ai fait des choix d'assemblage un peu différents, des choix de cuvaison technique un peu différents de mes habitudes pour pallier à ça. Donc, je les sens alignés là. Ils sont là. Voilà. Alors, tes vins sont alignés, mais alors, parlons d'alignement justement. À une époque, on retourne 6 ans en arrière, Laura, on retourne, allez, 1 ou 2 ans en arrière, 2, 3 ans, Greg aussi. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas? Est-ce que vous étiez aligné? Alors souvent, on parle justement dans un changement de vie, on en parlait hier avec vous, et Karine pourrait nous en parler, on parle souvent d'un passage d'une vie à l'autre avec un moment où il y a un point de rupture dans sa vie, et ce qui fait qu'on va se lancer. Est-ce que Karine, tu peux nous en parler? Peut-être que Laura et Greg pourront nous imager aussi par des propos. Qu'est-ce que c'est ce point de rupture dans la reconversion, dans le fait qu'on change de vie, Karine? Eh bien, ce que je peux voir souvent, effectivement, ce point de rupture, il existe à plusieurs niveaux. Ça peut être un ras-le-bol au niveau professionnel, où on se dit, l'entreprise dans laquelle je suis ou le métier que je fais ne me parle plus. Il y a quelque chose qui ne résonne plus en moi. Du coup, on parle d'alignement là, c'est plus aligné, et j'aime dire avec mon âme. Donc, il n'y a plus de la vibration à l'intérieur et on n'est plus aligné. Parfois, quand on n'a pas entendu tous les messages, tous les signaux du corps, c'est le burn-out qui arrive. Et là, on se dit, waouh, là, il faut changer. Voilà. Et puis, il y a des passages aussi dans la vie avec des tranches d'âge aussi, des prises de conscience qui se font. Voilà. Et ça, c'est aussi des points de rupture. On parle souvent du passage de la quarantaine, mais il y a aussi le passage de la cinquantaine
où souvent on a envie de s'accomplir ou de transmettre, ou de, en tout cas on a envie de passer à autre chose. Et voilà, mais ça passe par des grandes prises de conscience ou voilà, comme je disais, par des fois des soucis de santé ou voilà, enfin, voilà, c'est ce que je vois le plus souvent. Des deuils aussi qui peuvent arriver, qui font dire bah tiens, la vie est courte et finalement si je vivais vraiment de ma passion, si je vivais vraiment pour moi, ce serait comment? Voilà, donc c'est souvent des beaux chemins qui s'ouvrent en fait dans ces reconversions professionnelles. Mais je pense que voilà, Laura et Greg sont de bons exemples et vont pouvoir apporter la matière à ça, je pense. Donc, si on est en quête de sens et on trouve plus de sens vraiment dans ce qu'on fait et jusqu'à se sentir pas bien, même physiquement aussi, c'est le moment de se poser des questions aussi. Et quels ateliers, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, pour des gens qui sont un peu perdus, enfin, tu sais, qui ont sens, est-ce qu'il y a des petits ateliers à faire, des exercices qu'on peut faire soi ou comment on peut faire quand on est dans cet état-là? Dans cet état de prise de conscience, tu veux dire, Justine? Ouais, ou tu vois, de j'en peux plus ce travail, je trouve pas le sens, je suis perdue, quoi. Bien, alors moi, ce que j'invite à faire, et c'est souvent ce que nous autorise pas la société, c'est de faire une pause, un temps, un break, en fait, de dire, attends, là, stop, je me pose. Et ça, c'est super dur, parce que la société nous autorise pas à nous reposer, parce que c'est jugé, parce que il y a beaucoup... Voilà, parce que ça peut être dit feignant, pas courageux, enfin, toutes ces croyances-là qui sont là derrière. Mais moi, j'invite vraiment à dire, OK, ben, je me pose en fait. La vie, c'est ça, c'est pour bien faire ces passages-là, c'est de stopper. Il y a un temps, il faut stopper, il faut revenir à soi, revenir à s'écouter vraiment profondément. Et pour ben, les outils, c'est... voilà, c'est peut-être aller faire ce qu'on a envie de faire et peut-être aller marcher, aller faire du sport, j'en sais rien, aller visiter un vignoble et aller voir un peu ce qui se passe, prendre le temps de goûter des vins qu'on a dans sa cave et voir comment ça résonne, ça peut être tout ça. Mais c'est faire ce que vous avez envie vraiment de faire, ce qui vous fait vraiment plaisir en fait, à revenir au plaisir en fait. Ouais. Bah, du coup, j'imagine que ça doit faire écho sans doute à toi, Greg qui était dans une situation où tu es tout... Voilà. Qu'est-ce que ça te... Pourquoi ça fait miroir sans doute avec ce que Karine dit? Mais c'est exactement ce que dit Karine. En fait, il y a deux choses. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même il y a un constat que la situation dans laquelle on est plus satisfaisante. Il y a une forme de mécontentement global hein, sur ce qu'on est en train de vivre. Mais on est souvent dans une forme de dynamique qui fait qu'on ne s'arrête pas, quoi. On continue à avancer. Malgré les signaux qui peuvent arriver. Et c'est important de faire le pas de côté. Alors moi, c'était le Covid. Et à un moment donné, tu as eu vraiment cette rupture du jour au lendemain où bah, tout s'arrête hein, d'une certaine façon. Donc là, j'étais plus dans la dynamique habituelle de prendre l'avion tous les lundis, etc. Enfin, donc tu peux prendre le recul nécessaire et te dire, ben voilà, cette vie ne rime à rien. Mais ça s'impose en fait, hein, naturellement. À un moment donné, quand tu fais le pas de côté, les choses deviennent très claires en fait. Et la phase d'après, c'est de se dire, ben, si ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais ce que je vais plus faire. C'est-à-dire que j'arrête ce que je fais aujourd'hui, il y a la rupture, et ensuite, je réfléchis à ce que je vais devenir. Donc là, moi, ça m'a pris un an pour me dire, ben, je pars dans le vin. Mais déjà, il y a eu tout de suite cet arrêt qui m'a permis de me dire, ben voilà, on arrête, on négocie un départ, parce qu'il faut faire ça bien quand on change de vie. Il faut pas le faire sur un coup de tête. Ça se prépare, voilà, ça se négocie avec l'entreprise, etc. Donc, on a accompagné, hein, on a en France plein de choses qui nous permettent de se reconvertir. Mais il faut prendre le temps de la reconversion. Et puis ensuite, réfléchir à son projet de vie et essayer de le mettre en place. Comment ça s'est passé pour toi, Laura? Est-ce que ça fait écho dans ton choix? Alors, ça fait... Disons que ça peut faire écho sans... J'ai pas eu besoin de cette période Covid. En revanche, cette période Covid, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi... débloqué de cette manière-là et j'ai surtout vu énormément de sommeliers et de gens de la restauration me solliciter pour me demander s'ils pouvaient venir en stage ou en apprentissage chez moi. Donc j'ai bien vu qu'effectivement il y avait d'un coup une résurgence là de gens qui avaient besoin de s'épanouir autrement, quoi. Moi personnellement je ne l'ai pas vécu comme un... Je ne suis pas passée par un... par quelque chose qui m'a arrêtée. J'ai la chance de ne jamais avoir travaillé, en fait. J'ai toujours pu faire quelque chose que j'aime. Et ça a guidé mes choix
professionnelles ou en tout cas d'activités qui me permettent de vivre à tous les niveaux. Et j'ai toujours fait les choses juste parce que je les aimais. Et ça m'a amené à devenir vigneronne. Donc en réalité, le métier que je fais aujourd'hui, il est juste une succession d'apprentissages divers et variés que j'ai pu accumuler dans mes professions précédentes. Une chose m'a amené à une autre, tu vois. Mais fondamentalement, je crois que moi, je suis d'une nature très ouverte au monde. Donc la restauration et la sommellerie, ça répondait à ça, c'est-à-dire que j'étais très à l'extérieur de moi constamment, c'est-à-dire que je répondais à 4 personnes en même temps, je pensais à 10 choses en même temps, je programmais 4 semaines avant. Donc ça, c'était ma zone de confort. Et si j'étais restée dans ce métier, à ce rythme-là, je serais certainement chez les fous. Et pour me sauver, la vie m'a fait le cadeau de m'envoyer dans un métier où je suis seule, les 2 pieds dans la terre, à ne plus parler et à avoir la chance de pouvoir aller à l'intérieur de moi, ce qui me permet de m'élever et de me rencontrer, d'aller à l'intérieur. Donc en fait, ça rejoint le cycle dont je parlais tout à l'heure, où on est dehors, dedans, comme l'oxydation, la réduction. En fait, on ne fait que ça. Si on est dehors, ben, on a besoin de re-rentrer. Si on est dedans, enfermé, on a besoin de se réouvrir. Et je pense que les choix que l'on fait de support professionnel, ils correspondent au chemin qu'on a besoin d'accomplir sur le plan émotionnel et personnel. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de raconter. Ben, alors, si, déjà, c'était très beau, Laura, si je peux me permettre. et donc finalement, quand tu dis ça répondait à ce moment-là ça répondait à un appel de besoin, tu avais besoin de cet appel à la terre, d'ancrage, d'introspection aussi. Et donc Eric pourrait nous éclairer, je pense, hein, mais disons que cet appel-là, et à un moment, il a fallu, pour que tu saches que tu en avais besoin, il a fallu que tu t'écoutes à un moment et te dire, ok, quel est mon besoin? Et la voix du vignoble et de la. Voilà, où, ça s'est fait naturellement. L'appel a été plus fort, du coup. Mais il a fallu pour ça s'écouter à un moment. Ça s'est fait naturellement parce que dans la famille des gens passionnés, on ne fait pas des choix raisonnables. On fait des choix de cœur. Donc, on choisit. D'un coup, on lève la tête, on tourne les yeux, ça nous plaît, on y va. on se pose pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que financièrement ça vaut le coup, parce que si on commence à réfléchir comme ça, on le fait pas en fait. Donc en fait, moi j'ai fait ce chemin de manière passionnée et intuitive et en ayant toujours confiance en ce ressenti, en me disant que de toute façon je me ferais beaucoup plus de mal à ne pas le faire. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est beau, Laura, parce que tu as réussi à passer cela et à avoir un certain lâcher-prise aussi dans ça. Tu croyais et tu le savais au fond de toi, c'était ce qu'il fallait faire. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours le cas, Karine, aussi, toi, quand tu rencontres des gens qui ont plein de doutes, qui ont des peurs et des barrières, des croyances limitantes. Là, j'ai une question en privé justement d'une personne qui me dit, est-ce que c'est normal d'avoir des doutes? Alors, comment on peut, comment tu peux accompagner, comment toi tu accompagnes aussi les gens qui viennent te voir, les personnes sur ces sujets-là, quoi. Ok. Oui, en tout cas, c'est merveilleux ce que nous transmet déjà Laura, parce que ce qu'elle a fait, Laura, c'est qu'en fait, elle a toujours écouté son cœur, elle a toujours fait les choses, comme elle t'a dit, de manière... assez fluide, avec une succession de choses, parce qu'elle a toujours écouté son cœur et finalement, il n'y a pas eu peut-être de point de rupture. C'est un chemin de vie, finalement. Doux, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est hyper doux, c'est hyper, hyper agréable, parce qu'en fait, Laura est très à l'intérieur d'elle-même et du coup, elle vient écouter son cœur et ses ressentis. Et c'est ça qui est cadeau. Et du coup, sans se dire, mais comment je vais le faire, combien ça va me coûter, combien je vais perdre, etc. En fait, ce qui est cadeau, c'est que ne pas laisser parler son mental, c'est venir écouter son cœur finalement. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?
Alors, et souvent, c'est nos peurs et nos doutes. Alors, on en a tous. Alors, je veux rassurer tout le monde, on en a tous en pagaille et plus ou moins, en fait. On n'est pas égaux là-dessus. Moi, ce que je vois dans les accompagnements que je peux mener, quand la petite enfance n'a pas été bien remplie d'amour, quand je parle beaucoup, moi, de l'enfant intérieur, je travaille beaucoup sur cet enfant intérieur qui n'a pas été rempli d'amour, qui n'a pas eu l'assurance, qui n'a pas eu ce socle et cet ancrage enfant, bah souvent, effectivement, il faut venir rassurer un peu tout ça à l'intérieur pour vraiment pouvoir s'autoriser, en fait, à pouvoir écouter son cœur, à pouvoir se dire, bah ouais, j'ai envie d'écouter ce que j'ai envie de vivre, moi. Et je ne vais pas chercher à l'extérieur de moi de l'amour, à l'extérieur de moi des réussites, mais je vais les trouver à l'intérieur de moi parce que c'est dans mon petit cœur, dans mon intuition, que c'est elle qui va me guider. Mais ça, ce cadeau-là, en fait, on peut se l'offrir que dès lors où on est venu un peu guérir des choses, moi j'appelle ça les blessures de l'âme, et on en a 5, donc les blessures de l'âme, et de s'apporter effectivement ce bien-être intérieur. En fait, quand on trouve ce bien-être intérieur, on le trouve après à l'extérieur. Et Laura, je trouve que tu l'exprimes très bien, ce bien-être intérieur qui est là, et finalement, il s'exprime à l'extérieur dans le chemin professionnel. Mais en tout cas, pour revenir aux peurs et aux doutes, c'est des choses effectivement où notre société nous a beaucoup fait intégrer ça aussi dans notre système scolaire. On nous a mis des notes entre 0 et 20. Et c'est terrible, quoi. On valait une note et alors qu'on valait bien plus que ça. Donc, si on revient de tout ce chemin un peu lointain, on a beaucoup de choses à détricoter et à reconstruire. Mais c'est OK, en fait. Il faut juste lâcher ça. Et je pense que quand on va vers un métier passion, on oublie beaucoup de choses qu'on a apprises dans notre système. Et on vient juste apprendre à écouter son intuition, qui est, à mon avis, véritablement, pour beaucoup, un nouveau chemin qui est à ouvrir. Voilà. Mais c'est cette reconnexion à soi qui est nécessaire, vraiment, pour aller vers ça. Comment tu la vis, toi ? Tu travailles avec ton intuition, Laura ? Tu vis avec ? Moi, je sais faire qu'avec ça. Mais juste pour revenir sur... une chose que l'on vient de dire, peut-être que dans mon discours, parce qu'on n'a jamais de regard sur soi, en fait, mon discours, effectivement, il y a une cohérence dans ce chemin vécu par moi. En revanche, pour tout ce qui a été extérieur, matériel, trouver des terres, construire ce projet, accéder à la mise en forme, elle m'a demandé d'être en force beaucoup. Mais pour moi, autant c'est difficile, autant si en nous c'est fort, ça s'équilibre. Voilà, c'est juste pour dire quand même que je veux pas faire croire ou transmettre le fait que c'est évident ou facile. Ça demande quand même d'être à la hauteur de ses croyances personnelles, quoi, en termes de masse de travail en face. Bah, l'intériorité, j'imagine que tu as eu au lancement, et le fait d'être sûr d'avoir confiance en ce chemin et en toi aussi permettait d'être très ancré et très aussi dans OK, les étapes, c'est ça, mon objectif, il est là, et donc il faut avoir des parcelles, le matériel, c'est très lourd, voilà, que tu as développé. Donc le fait d'être intérieur, j'imagine, Karine, on pourra en parler aussi, l'intériorité, le fait d'être stable, ancré, ça permet d'être aussi dans la matière et de pouvoir mettre notre objectif, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a visualisé dans la matière. Dans Aligné dans le fait, quand quelqu'un nous dit, parce que ça, c'est ce qu'on... non, ce n'est pas possible d'arriver à faire... À répondre. Si, moi, mon corps, il me dit que c'est possible. Je sais que c'est possible. Voilà. Alors que tout est vu de l'esprit, en réalité. En fait, il n'y a pas de vérité. Chacun définit son champ des possibles, mais avoir quelque chose d'aligné en soi, c'est fondamental, c'est même l'ingrédient numéro un. S'il n'y a pas ça, je pense que ça peut toucher toutes les professions, pas que le vin. Ouais, tout à fait, et ça c'est nécessaire effectivement d'avoir cet ancrage dont on parle
pour pouvoir passer à l'action et pouvoir effectivement faire des choix concrets dans la matière du lieu où on veut ou du métier que l'on veut choisir. C'est certain. Ça se fait pas. C'est pas parce qu'on est passionné aussi, comme tu dis Laura, que tout arrive sur un plateau. Il y a des challenges, mais dès lors où on est passionné, on sait les dépasser et on s'y attelle en fait. Voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'on est à enfin, pour un projet, il faut aussi savoir beaucoup très bien s'entourer. Et le fait aussi de faire les moments d'introspection aussi en solo, enfin, je ne sais pas Greg, c'est important aussi de pouvoir prendre un temps de recul et être sûr de soi aussi pour prendre le temps de prendre de la hauteur et savoir s'entourer aussi et avoir une vision plus large. L'introspection permet de prendre de la hauteur aussi sans doute. Je ne sais pas Grégory, ce que tu penses, toi, tu as dit comme ça aussi. Après, moi, je pense que moi, j'ai un parcours beaucoup moins fluide que Laura quand je l'entends parler. C'est-à-dire que, et comme le disait Karine, sans doute de par l'éducation, etc., mais beaucoup de doutes au début, en fait, sur le choix. Et avec une question qu'on avait un peu évoquée de légitimité, c'est-à-dire que moi, je venais pas du vin. Donc, à partir du moment où je sentais que c'était le monde du vin qui m'appelait, la question qui s'est posée, c'est de se dire, mais est-ce que je vais être légitime dans ce milieu-là? Est-ce que j'ai les outils pour le faire? Donc, c'est là où j'ai cherché à me former, que j'ai trouvé la formation de Franck, où j'ai pu être en contact avec à la fois des professeurs et une promotion dans laquelle on a entamé un parcours commun, en fait. Et ça m'a permis de développer un réseau, de commencer à avoir les codes, en fait, de ce milieu, et donc de gagner en assurance aussi. Parce que c'est vrai que quand tu changes radicalement de vie, la question de la légitimité, c'est une question qui est récurrente. Et le doute, enfin, j'ai vu deux, trois des commentaires, mais il est constant, enfin, et il ne faut pas avoir peur parce qu'on a des doutes, c'est normal de douter, c'est plutôt sain de douter en général, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avancer. Donc, au contraire, il faut essayer de les surmonter, et pour ça, l'accompagnement, il est clé, trouver les bonnes personnes. Et juste pour conclure là-dessus, c'est un des milieux dans lequel j'ai trouvé le plus de bienveillance, c'est-à-dire que tous les gens avec qui j'ai interagi sont toujours été très positifs vis-à-vis du projet, ont toujours été là pour justement encourager, apporter des clés, et c'est très confortable. Oui, parce que bon, au pire, lors d'une discussion, on débouche une bouteille, on échange. Et voilà. Ça passe tout de suite bien, c'est vrai. Du coup, merci pour ces échanges. Il y avait une question très. Enfin, il y avait une chose aussi qui est hyper importante, et je trouve ça bien d'en parler, c'est le regard des autres, le jugement aussi, de j'assume le fait de quitter mon entreprise et de me lancer en tant que vigneronne, en tant qu'entrepreneur du vin et en tant que coach, Karine, toi aussi, voilà. Et je me détache du jugement de mes pairs, de ma famille, de mon entourage. Alors ça, ça te fait rire, peut-être Laura sourit, Grégory aussi, j'imagine que ça fait peut-être écho. Et quelqu'un peut réagir à cette question, justement. Ou Karine, parce que j'imagine qu'en coaching, toi, je vais rapidement, mais c'est oui ce que tu, le regard. Déjà, moi j'étais sur un poste de cadre dirigeant, donc j'avais un statut social qui était très affirmé. Donc tu passes de ça à stagiaire, en fait, je veux dire. Donc c'est quand même le gap, il est très fort. Le regard des amis et puis de la famille. Enfin, je dis pas ma mère au début. Je dis que je partais faire du vin, compliqué. Donc ça, il faut l'assumer. Mais Karine en parlait tout à l'heure. À un moment donné, il y a une forme de résonance, c'est-à-dire que tu sais que tu vas là où tu dois être. Donc, finalement, tu arrives à faire la part des choses. Mais je crois que c'est un des éléments clés. Alors, encore une fois, ça dépend d'où tu viens. Mais ce changement de vie, il va faire que les gens te regardent d'une façon différente. Pas forcément moins bien, mais juste différente. Et une des choses, je crois, qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que quand on change radicalement de vie, on ne perd pas tout ce qu'on a construit avant. C'est-à-dire qu'on va venir additionner quelque chose de nouveau. On a une première partie de vie, on a fait plein de choses. Et là, on va découvrir une nouvelle partie de vie, on va faire d'autres choses formidables. Et les choses s'additionnent, elles ne se soustraient pas, en fait. Ça aide à accepter le regard de certains. Et justement, ça me permet de rebondir. On va rebondir après. Karine, vas-y, je t'en prie. Oui, parce que moi, je trouve que c'est intéressant, cette histoire du regard des autres, parce que dans notre société, c'est hyper pesant. On s'aperçoit que quelque part, on répond plus à des normes, genre j'ai un CDI, je suis dans un grand groupe et tout va bien et je gagne bien ma vie, à le passage de je lâche tout pour aller faire autre chose.
Ça, c'est évident que je pense qu'autour dans la salle, je pense que ça doit faire résonance. On ne lâche pas tout comme ça. Ça fait peur parce qu'en plus, il y a aussi cette notion de « je lâche ça, mais pour trouver quoi finalement ?» Pour l'instant, derrière, c'est du vide. Il n'y a rien, quoi. Donc, souvent, on a du mal dans ce changement-là à lâcher quelque chose qu'on connaît, qu'on n'aime pas trop pourtant, hein, dans lequel on n'est pas très bien, mais on y tient parce qu'au moins, ça existe. Et d'aller vers quelque chose d'inconnu, ça fait toujours très peur. Donc, comme disait Greg, effectivement, d'être accompagné, c'est super important parce que dans ces temps-là, dans ces temps de transition-là, il y a beaucoup de peur qui remonte. Parce que effectivement, quand on part dans une formation de vin où on se met en tant que vigneron, bah, quand on ne vient pas de ce monde-là, il y a tellement de choses à apprendre, à savoir que voilà, ça fait peur, ça fait peur, quoi. Donc le regard des autres, bah, c'est hyper important parce que quand les autres vous disent « Ah non, mais tu es complètement fou, tu vas quitter, j'imaginerais que tu as dû l'entendre, tu vas quitter un super poste où tu gagnes très bien ta vie et tu ne sais pas où tu vas. » Et du coup, ben, ça peut faire douter finalement de notre choix de cœur. Et c'est en ça où l'alignement est hyper important, d'être bien ancré avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre. Parce que c'est ça qui compte le plus finalement, c'est votre bonheur, c'est pas celui du voisin, quoi. Et voilà, c'est ça qui est important, je pense. Hein. Moi, je pense que réellement, ce changement de vie, quand on le décide, peu importe les métiers, finalement, souvent, il met en question. La question, c'est passer de faire quelque chose à être soi. Et voilà. Est-ce qu'on veut continuer à faire ou est-ce qu'on veut être? C'est la vraie question, parce que faire, on peut faire tous, hein, beaucoup de choses. Donc, on a la santé et deux bras, et décider d'être, ça, c'est se définir soi et arrêter de passer par la définition du regard des autres. Et là, on fait un vrai choix de se lever le matin et de faire quelque chose qui nous anime et qui nous rend vivants. Peu importe le statut social, le niveau de vie ou l'argent que ça va nous permettre de gagner. Moi, je trouve que c'est un joli chemin d'aller vers ça, quitte à se tromper, quitte à faire un virage après, ou c'est pas grave, quoi. On en a parlé hier, c'est pas grave. Mais je pense que c'est important de s'autoriser à remettre en question. Pour, en tout cas, moi, en tant que femme aussi restauratrice, parce que j'étais quand même... dans notre restaurant avec mon mari, j'étais quand même 50% de cette activité, donc j'étais en salle. Je suis aussi la maman de 3 enfants. Quand j'ai dit à 36 ans, ben, maman, elle va reprendre un BTS. C'est drôle ça. Je ne vais plus être tous les jours en salle, donc il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer, qui sera employé, qui ne donnera pas 12 heures de son temps par jour, mais 8, et c'est déjà pas mal. Ben, effectivement, il n'y a personne qui est d'accord. Hein. Il n'y a personne qui a envie, quoi, de ça, parce que ça peut paraître difficile d'imposer son choix de vie à ses très proches, parce que les autres, à la limite, c'est pas très grave leur avis, mais les très proches avec qui on vit au quotidien, c'est important de les prendre en compte. Moi, je suis partie du principe que si c'était bon pour moi, c'était bon pour les gens qui m'entouraient. Une maman heureuse et alignée. Ouais, voilà. Alors, il a fallu quand même transformer tout ça, hein, concrètement, mais en fait, ça peut marcher très bien. Et justement, je trouve ça super beau, cette notion de faire et être. On en a beaucoup parlé avec Karine, avec qui j'ai eu la chance de vivre aussi un accompagnement dans ma vie pro, et c'est super. Et donc, je la remercie encore beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et tu parlais beaucoup du faire et être, et c'est génial que Laura en fasse écho. Oui, c'est chouette. Il y avait une chose que tu m'avais fait remarquer, Karine, c'est le concept de gagner sa vie, qui peut être assez violent, tu vois. Tu détricotes un peu ce cliché là, je trouve ça hyper intéressant de marquer le point dessus, Karine. Oui, c'est vrai que voilà, sur ce thème-là, on nous apprend qu'il faut gagner sa vie. Ce terme gagner sa vie, ça veut dire gagner de l'argent, en fait. Mais gagner sa vie en soi, en fait, elle est déjà là, la vie. La vie n'est juste qu'un cadeau qui nous a été donné. La vie, elle est gratuite. Et moi, ce terme-là, gagner ma vie, ça me choque beaucoup. Parce que prendre conscience que notre vie, elle est gratuite, c'est un don qui nous a été fait.
et comment on peut ne pas en prendre soin. Voilà, c'est un peu ça. Et d'en faire un parallèle avec que de l'argent, ça n'a pas beaucoup de sens finalement. Parce que du coup, comme dit Laura, on quitte l'être totalement, qui est finalement le début de notre histoire. C'est la vie, c'est être soi. Et souvent, pour aller vers la réussite, je dis, j'aime donner ça aux gens que j'accompagne, que l'équation du bonheur, c'est être plus faire égale avoir. Mais ça passe d'abord par l'être. Puis ensuite, quand on est soi et qu'on est bien aligné, on fait des choses alignées avec le cœur et qui est juste. Et du coup, on obtient un résultat qui est souvent très aligné. Et voilà, ça aide en tout cas de partir forcé. Enfin, c'est évident pour moi qu'il faut partir de soi, bien sûr. Et dans cette notion de gagner sa vie, ouais, il faut plus parler de ça, quoi. La vie, elle est gagnée, quoi. Et c'est un cadeau. On est là, elle est gagnée. On l'a déjà fait. On l'a déjà. Bon, il nous reste déjà, il est 43. Alors, j'enchaîne, mes chers amis, avec une question très, très importante. Si on se lance et qu'on échoue, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? On s'est lancé, on y va, et après, comment vous vivez, ou comment toi tu as vécu aussi, Laura, la potentialité que ça ne fonctionne pas? Comment Grégory, tu l'as vécu, tu le vis, etc. Et comment vous y avez pensé, forcément? Est-ce que. Laura, je te laisserai répondre après parce que moi, ça va être plus rapide. Moi, je suis encore en phase de construction, donc j'imagine l'échec, évidemment, mais si la probabilité pour moi, elle est faible. Enfin, j'ai très confiance dans mon projet, en sachant que ça va être difficile, mais tu vois, je me dis que je peux y arriver. Après, c'est vrai que la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est que ça, Laura pour en parler bien mieux que moi, mais c'est que tu dois tout gérer toi-même. En fait, tu n'as pas une structure qui est là pour t'aider, donc c'est une page blanche à écrire. Mais ce que tu vois souvent dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent tu échoues et en fait, c'est par rebond successif que tu finis par trouver le modèle qui fonctionne. Donc, ça fait partie du modèle, en fait, l'échec. Et c'est pas ce qu'on nous a appris précédemment dans nos études, etc. Mais pourtant, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, l'échec, c'est une donnée fondamentale et c'est une donnée nécessaire. Et ce qui est important, c'est la résilience et la capacité à rebondir. Donc, finalement, une fois que tu as accepté ça, ben, tu te dis que c'est une donnée comme une autre. Et bon, après, voilà, ça, c'est très théorique. Maintenant, Laura, elle l'a vécu. Je pense qu'elle peut mieux en parler. Non, je ne peux pas mieux en parler que toi. je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que si on veut, c'est comme l'équilibre des forces. Hein. Il faut des forces de dépérissement pour avoir des forces de vie. La nature, elle est faite comme ça. Si ça ne meurt pas, ça ne vit pas. Donc, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'évolution. Ça serait très prétentieux de dire je veux que grandir et réussir tout le temps. Je crois qu'il n'y a personne qui a envie de ça, en fait. Mais c'est comme les peurs dont on parlait hier. Je n'arrive pas à mettre ces mots-là. Il faudrait définir d'abord qu'est-ce que l'échec. Voilà, pour pouvoir vraiment en parler. Je pense que si un jour je me trouve vraiment dans l'échec, je m'arrêterai et je prendrai cette pause et je me dirai ok, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis allée chercher l'échec, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre avec cet échec. Je lirai le livre que j'ai jamais lu, Les Vertus de l'échec. Je ne sais plus de qui il est. En fait, ça va peut-être m'arriver. Je pense que des échecs, on en vit au quotidien, comme des petites morts, des petites fins, pour tourner les pages, il faut que ça s'arrête parfois. Donc, il y aura peut-être un échec avec une cuvée, il y aura un échec avec une plantation, j'en ai déjà vécu. Mais juste, c'est la vie, quoi, c'est la vraie vie. Parfois échouer. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait pour le moment. Et c'est vrai qu'en France le mot échec il est juste, on n'a pas le droit à l'échec en France, alors que dans la vie, comme tu dis Laura, quand on a appris à marcher, on est tous tombés plusieurs fois avant de savoir marcher, quoi. Et ça fait partie de notre apprentissage, et la vie c'est que ça, c'est j'apprends, ça ne marche pas, mais ce n'est pas un échec, c'est j'apprends en fait. Bah, c'est comme quand t'es petit à l'école, par exemple, bah,
Tu as eu une mauvaise note en maths, bon bah voilà, tu es catégorisé nul en maths. Alors qu'en fait, si on m'avait dit, ah bah non, mais juste, c'est trop cool, on a appris que tu pouvais pas apprendre de cette manière les maths. Bon, bah, on enlève cette étape, on va apprendre d'une autre manière les maths. Et je pense que tu pourras ensuite être bonne en maths. Bon, bah résultat, j'ai fait un bac L, puisque j'étais dans la catégorie nul en maths. Mais c'est dommage, donc finalement, un échec veut dire, bah finalement, on a appris sur nous, donc on va pouvoir faire d'une autre manière aussi. Voilà, je trouvais ça marrant de faire le parallèle avec... les petits nous à l'école. Il y avait une question pour vous, les gens du vin. Tu as pensé à faire un DNO, Laura, ou pas? Tu as fait le BTS, hein, plutôt Vitiono, Oui. pour la reconversion. Tu veux répondre, Greg, en premier? Vas-y. Bah le DNO, c'est quoi? C'est le diplôme national d'œnologie, c'est ça? Et voilà, c'est pour faire du vin, pour les Ouais, sciences c'est ça. Moi, économiques. je voulais. C'était. Enfin, le rapport à la Terre, c'est une forme de fantasme, mais pour moi, c'était un changement beaucoup trop radical. Donc, je m'étais dit dès le début que je voulais être plutôt dans le côté sommelier, en fait, dans la prescription et être porteur du travail fait par les vignerons. Mais je me sentais pas capable d'aller faire du vin moi-même. Tu veux plutôt en parler, le vendre, le rattraper. Voilà, Donc, il est exactement. venu faire la formation Franck Thomas, voilà. Exactement. Qui est dans 18 villes en France, je le rappelle, pour ceux qui veulent faire de la reconversion et devenir un conseiller du vin et transmettre les magnifiques messages que les gens comme Laura, par exemple, Mettre en proposent. bouteille. Ouais. Et Laura, toi, pourquoi le choix du BTS Vitiono, du coup, bah, tu voulais te former et pourquoi Ouais, celui-là? moi j'avais besoin du végétal, donc et puis surtout j'aurais pas moi je voulais pas devenir œnologue, absolument pas. Je voulais fabriquer du vin. Enfin, non, d'ailleurs, quand j'ai fait le BTS Vitiono, je voulais même pas devenir vigneronne, hein. Je voulais juste comprendre techniquement comment on fabriquait, parce qu'il me semblait qu'être, quand on était vendeur ou sommelier, ou quand on parlait du vin, on serait meilleur si on avait la connaissance de la matière première que si on racontait l'histoire. J'avais pas ce projet en fait de travailler en fabrication, hein. J'ai basculé parce que quand j'ai fait ce BTS en alternance, d'abord je voulais être en alternance parce que je voulais travailler chez les vignerons. J'ai travaillé chez Jean-Christophe Comor au domaine des terres promises dans le Var, qui lui, chaque année, prenait quelqu'un d'inexpérimenté et le faisait fabriquer. Ce qui est très très rare, hein, comme cas de figure dans un domaine, voire j'ai jamais entendu ça ailleurs. Et c'est bien en touchant la matière, d'un coup, je me suis dit, ah non, mais en fait, je veux faire ça. Et puis en plus, j'ai été en sport-études petite, donc moi en chimie, j'y comprenais rien. Donc j'aurais été incapable de faire le DNO, j'aurais pas eu cette prétention. Par contre, maintenant, si je pouvais reprendre des études en DNO, en géologie, en biodynamie, je m'arrêterais plus jamais de ma vie, mais il faudrait vivre 300 ans. C'est clair, bon, il y a toujours à chercher. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on participe ensemble, Laura. Nous, on fait beaucoup de travaux de recherche avec des vignerons. On se fait des hors très prises, mais on travaille aussi avec un géologue bah, que Grégory connaît bien, c'est un de ses formateurs. Et on fait beaucoup de travaux de recherche sur la mise en relation entre le lien entre le goût du vin, le toucher du vin, ce côté un peu sensuel du vin avec Passionnant ça. l'origine. Et la géologie, et c'est très chouette. Quand on a commencé nos premières formations en géologie, on a essayé de déconstruire tous les clichés, tu sais, du sol calcaire qui fait ça, le côté iodé du vin ou le côté pierre à fusil qui serait dans les chabis, etc. Bon, et du coup, c'est assez intéressant de tout déstructurer et d'enlever aussi ces clichés qu'on peut avoir ancrés dans la tête. Bon, c'est marrant. Bah oui, parce que nous on a des sables ici. Alors c'est pas du tout le sujet de ce soir, mais on est sur des sables. Ça conditionne pas le toucher fondamentalement du vin, même si je le pense, mais ça conditionne des acidités. Et du coup, une capacité d'amener nos vins à. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Bah pour un prochain talk show, on fera une spéciale terre célèbre. Voilà. Bon, sinon, avant de
de conclure le sujet, je voulais peut-être que Karine, tu nous proposes je sais pas, peut-être que quelques clés. Est-ce que tu nous as préparé peut-être des petites clés faciles pour, par exemple, sortir de notre problématique de jugement ou qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est dans ces problématiques justement? C'est vraiment un cheminement de connaissance de soi. Toujours, enfin, pour moi, c'est vraiment le travail qui est à faire. Si effectivement vous êtes en train de vous poser la question, aujourd'hui je suis pas bien dans ce que je fais, c'est de revenir à vous et revenir à soi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de quoi j'ai besoin pour être heureux. Des questions en fait un peu essentielles qu'on ne prend pas le temps de se poser. Et c'est vrai que ces temps de break là, ça peut être, on parlait tout à l'heure, il y avait une question, est-ce que je dois vraiment m'arrêter pour faire cette reconversion? Ça peut être un temps de vacances où on vient, ou une pause de 3-4 mois où on vient vraiment faire un travail d'introspection. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me rend heureux? La vie est courte et finalement, si moi je m'écoutais vraiment, et ça serait quoi la vie de mes rêves, quoi? Et de se lancer un peu à écrire ça sur un cahier, elle serait comment ma journée qui me fait vibrer le matin et où je me dis pas, oh là là, c'est lundi matin, j'ai aucune envie d'aller au bureau ou dans mon poste. Mais là, c'est lundi matin, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est comment cette journée? Et je pense que c'est le démarrage d'un processus intérieur où on va s'autoriser finalement à penser autrement et à sortir d'un système de pensée qui est toujours le même. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon, je n'ai pas ma place là, je ne vais pas être capable, les autres sont mieux que moi. Et en fait, c'est toute cette mécanique de système de pensée qui est à l'intérieur qu'il faut absolument stopper et de revenir profondément dans vos besoins, dans qui vous êtes. Et c'est de se poser ces questions-là. Mais je pense qu'on ne nous apprend pas ça, enfant, à se poser, alors que c'est vraiment là où enfant, on devrait apprendre justement ça, plutôt que d'apprendre des matières, maths, français, etc. Mais la première matière, ça serait d'apprendre à se connaître, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on est venu faire là, et qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Donc, prenez le temps de vous écouter. Vous avez le droit, quoi. Autorisez-vous à vivre ce que vous avez envie de vivre. Osez faire, en fait, osez vivre sa vie, quoi. On est là pour être heureux et pas pour subir. C'est souvent ça que j'ai envie de dire. Et ces métiers passion du vin, moi, je rencontre aussi, enfin, j'ai rencontré beaucoup de vignerons et de gens de la terre. Et quand je vois comment ils s'amusent, ils sont heureux, c'est bon d'être heureux, quoi. Donc, écoutez-vous et allez à la rencontre de votre bonheur. Voilà. Ce n'est pas tous les jours facile, hein, c'est clair. On voit toutes les problématiques qu'il y a dans les vignes, mais au moins, ils y vont, ils suivent leurs envies et ça, c'est tellement plus fort. Et du coup, justement, Karine, je voulais rebondir. Moi, il y avait un outil que tu m'avais beaucoup, lors de de programmes que j'avais fait aussi avec toi. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est parfois de fermer les yeux et de juste se poser, parce qu'en fait on prend pas des fois de sas de quelques minutes pour prendre du recul, se poser et se poser une grande question, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie, tu fermes les yeux et on tire sur le fil de ok, mes envies, et ça peut nous amener aussi, alors c'est des micro-méditations de 5-10 minutes parfois, tu vois, et ça fait vraiment du bien, et je trouve quand on rouvre les yeux, on a des réponses, et on se dit, mais c'est ça, en fait, et ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que je l'ai mis en place dans ma vie maintenant, pro et perso aussi, et ça a changé beaucoup de choses, où les questions, en fait, les réponses sont à l'intérieur, c'est juste qu'on va tellement à 100 à l'heure, parfois, qu'on n'a pas le temps, et puis quand on en parle avec nos amis, parfois, c'est utile de parler avec ses amis et ses proches, mais on n'a pas ce temps où on va chercher dans le fond notre âme, nos besoins. Et je trouve que le fait de fermer les yeux, se poser des questions comme tu m'as appris, et tu tires sur le fil, Eureka. Mais c'est vrai, c'est chouette, Justine, que tu partages cette clé. Et c'est vrai que ça peut résonner pour certains et pas pour d'autres. Mais en tout cas, c'est d'aller arrêter un peu le brouhaha, arrêter de faire. C'est pour ça qu'on parle de pause aussi. Arrêter de faire, quoi. Laura, elle disait bien ça. Et pour être dans l'être, il faut arrêter de s'agiter, quoi. Aller dans tous les sens, aller avoir 36 projets, c'est un leurre pour trouver son bonheur. Plus on remplit ses journées, plus on est heureux, pas sûr.
Donc, plus on reçoit d'emails et plus on, je sais pas quoi, on voit des gens, plus on est heureux, pas sûr non plus. Voilà, donc l'idée, c'est voilà, de revenir encore une fois à cette intériorité. Et ça peut être au travers d'une marche, ça peut être dans son jardin en train de gratouiller la terre, en train de fermer les yeux. Ouais, voilà, c'est ça quoi, revenir à soi, oser revenir à soi. Il y a une grande vertu dans les éléments, et ça, on s'en est éloigné. Je dis ça vite fait parce qu'il reste 3 minutes et que c'est peut-être. Il y a l'eau informée sur Terre qui est là pour nous dire beaucoup de choses. Il y a la forêt, il y a le bois, il y a la terre, il y a l'air. Si on sait s'équilibrer dans tout ça, on a généralement nos réponses, je pense. Enfin, le bon courant, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment beau et c'est magnifique d'en parler. D'ailleurs, je tenais à dire, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans les vins. J'ai eu la chance de voir Laura sur Salon et je trouve que, je le disais l'autre jour à Laura, dès qu'on vient la voir sur Salon, il y a toujours, mais on ne peut même pas à peine te parler, il y a toujours beaucoup de monde. On voit que tu as eu un passé aussi de restauratrice où tu vois, tu connais les agents, etc. Waouh, c'est très convivial. Il y a du monde, ça chahute. Et c'est marrant parce que tes vins, au début, on a commencé en disant le vin qui nous lie. Je trouve que quand on vient sur tes stands à chaque fois, où j'ai pas encore eu la chance de venir au domaine, il faut absolument qu'on y aille. Mais en tout cas, je trouve qu'à chaque fois qu'on est sur ton stand, tous les gens autour, on se parle les uns entre les autres, entre nous. Et tu vois, on échange parce que tes vins nous font parler, nous rendre heureux. Et donc, en recrachant, bien sûr, mais en tout cas, ça nous donne des vibrations. Tu vois, on parlait ce matin, enfin, ce matin, pas du tout. Il y a 1 heure de la vibration du vin. Et c'est ça. Donc, voilà, je vous encourage à goûter les vins de Laura aussi. Et c'est très joli et joyeux. On est là pour être passeurs les uns des autres. Donc c'est logique qu'il y ait ces liens qui se créent entre nous. D'ailleurs, il y a plein de gens qui posent des questions et on ne leur répond pas du tout. Comment? Justement, je voulais justement profiter. Je voyais pas mal de questions, en fait, juste très pragmatiques, mais il y a beaucoup de questions sur la reconversion et comment on peut être accompagné. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une rupture conventionnelle, Pôle emploi finance en partie la formation et qu'on peut utiliser également ses CPF. Et durant toute la formation, on est rémunéré par Pôle emploi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen assez simple de pouvoir suivre la formation. Et pendant un an, on a un complément de salaire quand même, on a un salaire. Donc, ne pas hésiter de se rapprocher des ACEDIC pour construire le projet avec eux. Et Assez après, basique, mais ça permet de rassurant, quoi. il y a aussi quand on est salarié, il y a plein d'accompagnements possibles avec les CPF de faire ou des bilans de compétences justement ou des coachings pour faire le point, pour faire le point dans votre vie, pour se poser, pour prendre justement ces temps-là de questionnement. Parce que c'est bien d'avoir un effet miroir en face de vous, de quelqu'un qui va aussi vous challenger. Parce que des fois, seul, on peut rester dans sa zone de confort et pas se poser toujours les bonnes questions. Mais quand on a quelqu'un, un professionnel en face qui va vous poser la question, qui va venir un peu percuter à l'intérieur, ça va vous aider aussi à avancer. Donc, utilisez votre CPF, utilisez les OPCO, il y a quand même beaucoup d'aide en France pour aider à la reconversion. Et puis, parfois aussi, on peut profiter des fois des licenciements économiques ou des ruptures conventionnelles. Pour avoir des aides financières aussi, pour rebondir et avoir des plans de financement pour relancer un projet, quoi. Alors concrètement aussi, justement, je voulais en parler avant. Donc, il y a tous ces moyens de financement, mais si vous voulez être accompagné, pas seulement sur le faire, mais sur l'être, je vous conseille la formation de Karine. Enfin, le coaching, c'est financé par le CPF, donc vous pouvez aussi avoir accès sans payer de votre poche. C'est les joies de la France des aides aussi pour la formation, la reconversion. Donc, je l'ai vécu et c'était magnifique cet accompagnement par Karine. Donc, voilà, disponible sur son site, Karine, je vais le remettre tout de suite aussi. Merci. Donc, voilà, très beau et accessible par le CPF aussi. Et ça permet d'accompagner l'être que nous sommes. Et juste, est-ce que tu peux nous en parler? T'en es où sur ton projet, Grégory? Tu veux nous parler du site aussi? Comment ça va Bon, se très rapidement, oui, normalement, je devrais commencer en septembre. Donc, le site s'appellera Les Accordés. Et ce sera passer? donc logique de
bouteilles de vin sélectionnées avec les éléments pour construire le repas autour. Bon. Je referai passer le message quand ce sera prêt. Les accordés, souvenez-vous du Les site, accordés. ça va être des super accords mets-vins. Voilà. Bravo. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci. Je crois que donc on peut voir en diffusion cette vidéo comme d'habitude en replay sur YouTube. En fait, sur YouTube, il y a la page Franck Thomas Formation et il y a toutes les vidéos sur les talk-shows du vin. Donc, vous pouvez les retrouver dessus en libre accès gratuitement. Merci de vous être livré un petit peu avec nous. C'était un, je trouve, un petit voyage un peu intime et humain, très beau, tout en sincérité. Merci Laura, beaucoup. Merci à vous. Je suis très contente de t'avoir découvert aussi sous cet angle et pas seulement via tes vins, mais la femme aussi derrière. Merci beaucoup Karine pour ton éclairage et ton Merci accompagnement. à vous. Et merci Grégory pour ta sincérité et ton œil rieur, madame. C'est Merci. petit mot pour la fin, Laura et Greg et Karine, et on va quitter là. Non, sautez le pas, moi je dis, allez-y. Hein. Si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes prêts. Un vigneron m'a dit, si tu te poses des questions, c'est que tu es sur le bon chemin. Et j'ai adoré cette phrase. Et aussi, un vin, c'est une idée. Voilà. Ça ira. Et moi, je vais vous dire, osez être vous-même, choisissez-vous. Voilà. Oser être soi et oser être vrai et authentique pour être heureux. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre générosité de nous avoir accordé Merci, ce temps, Justine. cette heure. Et puis à très bientôt. On se retrouve les autres donc bientôt pour les vins du Portugal aussi. Je vais vous, voilà, on vous enverra les invitations bientôt. On va aussi aller chercher des vins un peu exotiques pour les prochaines sessions. Voilà, on vous embrasse et on vous dit à bientôt dans 15 Bye jours. bye. Merci.